Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre émission « L'art nous parle », entièrement consacré à la compétition « Mon super talent artistique ». Les compétitions pratiques s'ouvrent aujourd'hui sur le thème « La Renaissance africaine ». Les candidats ici présents travailleront selon leur technique et les membres du jury aviseront. L'honneur revient au tout nouvel entrant parmi les membres du jury, Soro Pewé, l'artiste peintre, de nous dévoiler les attentes du jury. Monsieur Soro, c'est à vous. Bien, chers candidats, ce que le jury attend de vous est très simple. Nous attendons de vous assez d'originalité, assez de pertinence dans vos choix, assez de technicité, mais surtout une bonne dose d'audace. L'objectif dans ce thème, c'est de rappeler que l'Afrique est capable de se réinventer, de s'appuyer sur ses racines et puis se relancer en plus grand. Nous sommes tous Africains ici et on a tous intérêt à ce que cette renaissance-là voie le jour. Et nous comptons sur vous déjà pour ébaucher cette attente commune. Merci. Voilà qui est clair. Candidat, êtes-vous prêt? Oui. Avez-vous cerné votre thème? Oui. Top, c'est parti. Waka waka when you enter my life.
baby, kona kona. Will you give me sugar? Wala wala. Macho Mona Lisa, macho Mona Lisa, macho Mona Lisa, macho Mona Lisa. Rough time, my kids. Sur le plan technique, c'est très intéressant parce que chacun a une ligne. Chacun d'entre eux a une ligne. Ils respectent sa ligne. Hein? Ils se tiennent pratiquement presque tous. Et nous espérons que jusqu'à la fin, chacun va garder sa ligne et va nous dire à travers ses travaux son impression réelle, ce qui va dégager de tous ces sujets que nous avons donnés. Mais nous sommes déjà rassurés. Moi, je suis déjà rassuré que, en tout cas, on va tirer un candidat qui sera au-dessus de la moyenne, en tout cas. Un avis sur le travail qu'on a vu. Bon, c'est un travail à l'entame, mais déjà, en voyant le travail antérieur même de ces artistes, on sent que on a affaire à un bon cru, de très bons dessinateurs. Et les esquisses ou le peu qu'on a vu nous présage un rendu intéressant. Donc maintenant, c'est l'articulation, la théorie l'articulation de cette vision théorique qu'ils nous ont énoncée, qu'on attend. Mais je pense qu'au niveau qualité, les compétiteurs d'aujourd'hui ont vraiment de la bonne qualité. Déjà, vraiment, ils ont un fond. De bons dessinateurs déjà. Et donc, pour mettre leur idée en forme, je pense qu'il n'y aura pas trop de différence et qu'ils traiteront le sujet avec beaucoup de subtilité. Donc, on est patient, on attend, mais il y a beaucoup d'optimisme. J'attends, je pense qu'on aura de bons résultats. En ce qui concerne mes impressions par rapport aux différents candidats, je dirais simplement que c'est des candidats qui ont la volonté. Ils ont envie de se dépasser, ils ont envie de montrer qu'ils ont réellement du potentiel. Moi, j'ai vu beaucoup de potentiel. Pour la plupart, ce sont de bons techniciens. L'entame déjà du sujet est déjà bien. Ils ont une belle maîtrise de leurs différentes démarches artistiques. Et je me dis que certainement, le résultat qu'ils vont nous donner à la fin sera
appréciable de tous. Et puis voilà. Bon, déjà, techniquement, j'attends toujours de voir la fin d'un travail avant de me prononcer réellement. Le début peut être bon et puis au fur et à mesure qu'on déroule, on se rend compte qu'on dévie. Et là, je veux voir la fin. Déjà que pour la plupart, ils partent déjà sans ébauche, c'est des inspirations libres. Donc je veux voir déjà à la fin ce que ça peut donner. Mais ce que je retiens, c'est que le niveau, il est bon. Ils ont un très bon niveau technique. Et puis je me dis que chacun pourra, dans son écriture, se défendre correctement. Un candidat qui se détache, je ne dirais pas, parce que chacun ici défend réellement sa position. Techniquement, ils sont tous à la hauteur. Et puis en termes de maturité de pensée, je pense qu'ils ont quand même la connaissance qu'il faut. Ils ont su choisir des éléments pour mettre en valeur leur sujet. Et déjà là, on ne peut qu'espérer avoir de belles pièces. Voilà tout. Quand on parle de renaissance, on parle de renouvellement. Et il y a eu une renaissance en Europe dans les années 1800-1900 avec une grande transformation. Il y a eu un renouvellement, on dira, au niveau social, culturel et artistique. Et là, avec ce thème « Tu la renaissance africaine », c'est justement vouloir un nouvel essor pour l'Afrique. Nous avons du potentiel, nous avons des matières. Et j'ai vu ces artistes aujourd'hui sur ce thème et les œuvres, on va dire que nous sommes au début. Et je vois quand même quelque chose dans le fond, ils ont du talent. Et comme mon regard, il est externe, mais il est sur, on va dire, l'esthétique. Donc j'attends que les artistes vraiment me produisent de belles œuvres et qui seront justement en adéquation avec ce thème-là de la renaissance africaine. Donc à travers les œuvres, il va falloir qu'on puisse voir justement ce développement qu'on attend de l'Afrique sur tous les volets, on dira, social, culturel et artistique. Voilà, et c'est ce que j'attends des artistes. Chers téléspectateurs, la compétition du jour s'achève. Nous laissons le soin aux membres du jury de donner leur note qui sera connue le jour de la finale. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée et à très bientôt. C'était hier. Quand Boyo jouait sur les pirogues.